Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Venez adorer-le. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Venez adorer-le. Dieu règne vêtu de majesté, le Seigneur s'est vêtu de puissance. Dieu règne vêtu de majesté, il a loué la puissance à ses reins. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Aime-le, adore-le. Tu fixas l'univers inébranlable. De tout temps, c'est toi le Seigneur, les fleuves déchaînent le roi. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Le Seigneur est superbe dans les hauteurs, tes volontés sont vraiment infaillibles. La sainteté s'attache à ta maison, Seigneur, pour la suite des jours. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout. Habite en nos cœurs pour les siècles, amen. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Aimez, adorez-le. Christ manifesté dans la chair.
Psaume 86. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre pour sauver l'humanité. Ô Jésus, Emmanuel, gloire à toi. Sur les saintes montagnes, le Seigneur a chéri. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Ou l'Éthiopie, un tel y est né. Merci au chemin du chemin est né. Et lui l'assume en sa place, le Très-Haut, le Seigneur. Parmi les cœurs, tous sont en toi la demeure. Psaume 131. Garde mémoire à David, Seigneur de tout son labeur, du serment qu'il fit au Seigneur, de son vœu au puissant de Jacob. Séjour puissant de Jacob. Voici, on parle d'elle en Éphrata. Nous l'avons découverte au champ du bois. Se vête de justice, tes fidèles jubilent de joie. À cause de David, ton serviteur, n'écarte pas la face de ton Christ. Le Seigneur est jubilé à la
de mon alliance, mon témoignage que je leur ai enseigné. Le Fils même à tout jamais siégeront sur le trône fait pour toi. Je les bénirai de bénédictions, ces pauvres je les rassasirai de pain, ces prêtres je les vêtirai de salut, et ces fidèles jubileront de joie. Psaume 91. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de jouer pour ton nom, Dieu très haut, de publier au matin ton amour, ta vérité au long des nuits. Seigneur, et combien sont profondes tes pensées. L'homme stupide ne sait pas cela, l'insensé n'y comprend rien. C'est vous ce que tes ennemis ont péri, tous les malfaisants sont dispersés. Tu me donnes la force du taureau, tu répands sur moi l'huile fraîche. Mon œil a vu ce qui est bien, mes oreilles ont entendu les méchants. Le juste poussera comme un palmier, il grandira. Dans la maison du Seigneur, ils pousseront dans les pavés de notre Dieu. Dans la vieillesse encore, ils portent fruit, ils restent frais et florissants. Thank you.
Cantique des Proverbes, page 262. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes. Elle a abattu ses bêtes, préparé son vin. Elle a aussi dressé la table. Elle a arrêté ses serviteurs et proclamé partout dans la cité. Celui qui est simple, qu'il passera ici. Venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. Venez à moi et vous vivrez, marchez dans la voie de l'intelligence. L'homme sage est devenu plus sage encore, instruit le juste et abattra son ennemi. Ainsi que de la sagesse et la crainte du Seigneur, la science et les saints voilà. De Saint Maxime de Turin au 5e siècle. L'Évangile nous raconte que le Seigneur est venu au Jourdain pour s'y faire baptiser et qu'il a voulu être consacré par des signes du ciel sur ce fleuve. Que le Seigneur et maître du baptême ait agi de la sorte ne doit pas nous étonner. Il a voulu accomplir le premier ce qu'il commandait à tous pour enseigner en bon maître non tant par la parole que par les actes, et pour nous affermir dans la foi par le sens de son geste. Ce n'est pas non plus sans raison que cette fête suit de près celle de la naissance du Seigneur, alors que des années ont séparé les deux événements, car on peut dire que c'est encore la naissance que nous y fêtons. Là, il naît selon la nature humaine, et Marie, sa mère, le réchauffe sur son sein. Ici, il est enfanté parmi les signes du ciel, et Dieu, son Père, l'enveloppe de sa voix en disant « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis ma complaisance, écoutez-le. » Aujourd'hui donc, le Seigneur Jésus est venu recevoir le baptême. Il a voulu laver son corps dans l'eau du Jourdain. Quelqu'un dira peut-être « Lui qui était le Saint, pourquoi voulut-il être baptisé ? » Écoute donc, le Christ est baptisé non pour être sanctifié par les eaux, mais pour sanctifier lui-même les eaux et purifier par son action personnelle les flots qu'il touche. Il s'agit donc bien plus de la consécration de l'eau que de celle du Christ. Car, dès le moment où le Sauveur est lavé, toutes les eaux deviennent pures, en vue de notre baptême. La source est purifiée pour que la grâce soit procurée aux peuples qui viendront dans la suite. Le Christ marche donc le premier au baptême pour que les peuples chrétiens se mettent à sa suite sans hésiter. Thank you.
le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement : « Silence, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient : « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais, et ils lui obéissent. » Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il est dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ces prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Servant juré à notre père Abraham, de nous donner la franchise de la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras son peuple le salut en rémission de ses péchés. Sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs. Jesus, I'm for so immortal, from pity.
Marie, qui nous a enseigné avec autorité, Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen.